Yo la famille, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo avec Myria. Yo. Aujourd'hui j'ai une vraie idée. Vous êtes nombreux à me dire, ouais Younes il est tout le temps énervé. Tu manges quoi là? Des chips, une Yacine il est tout le temps énervé dans les vidéos. Aujourd'hui on va le pousser à bout. On va mal lui parler. On se comporte grave mal avec lui. Juste pour voir sa réaction, s'il va, s'il va se vénérer ou pas, s'il va nous frapper ou quoi. On fait ça? Vas-y on fait, let's go. Arrête de bouffer toi, pose ça là. Pose. Tu vas aller le réveiller. Parce que Yacine, c'est toujours le dernier à se réveiller. Attends que je sois dans mon lit, tu le réveilles et on voit ce qu'on fait, ok? Yacine! Hé! Tu fais quoi là? Réveille-toi! Y'a quoi? Bah, c'est le matin! Il est quelle heure? Je sais pas moi! Il est où mon téléphone? Non, mon téléphone! Non! Non, mon téléphone il est là-bas! J'ai pas envie! Mais pourquoi tu me réveilles là? Y'a quoi? Bah parce que tu vas jamais te réveiller. Va fermer la porte s'il te plaît, va fermer la porte. Non j'ai pas envie. Mais Ram, je rigole pas avec toi hein. J'ai pas envie. Va fermer la porte. J'ai pas envie. Sors de ma chambre. Non. Comment ça non? Pourquoi tu voudrais que je sors de ta chambre? Sors de ma chambre et ferme la porte. Non je t'ai réveillé. Y'a qui en bas? Bah je sais pas moi, va voir. Mais qu'est-ce qui t'arrive là? Rien. Je vais me lever, sors de ma chambre et ferme la porte. T'as vu comment elle parle et tu dis rien toi? Oh, elle a raison. Pourquoi elle parle comme ça? Bah elle a raison si elle a envie. Comme ça elle a raison. Eh hey, pour Yacine, allez, allez, allez. Ouais, ouais, ouais. C'est ce portable de Yacine ça, ouais. Le portable de Yacine. Vous faites quoi là? Vous cassez quoi? Vous êtes mort! Il est où le téléphone? Il est où? Oh, vous l'avez cassé! Il était déjà cassé! Vous avez que ça à faire pour jouer! Il était déjà cassé, on rigolait, ouais! Et vous avez que ça à faire pour jouer! On s'entraînait à faire un TikTok! On va faire du sport, on va aider des mamans, on va faire autre chose! On voulait faire un TikTok! On voulait faire des n'importe quoi là! On voulait faire un TikTok! Ah ouais, il est où le téléphone? Il est où? Il est dans ma poche, on a fait un TikTok! Il était déjà cassé, oui, tiens. On a fait le TikTok de tiens, il était déjà cassé, tiens, ton téléphone. Il était déjà cassé. Vous l'avez tué. Mais c'est pour un TikTok, tranquille. Vous avez que ça à faire. Bande de clochards. C'est toi le clochard. Toi, t'es le roi des clochards. Plus grand, plus bête. Bon, là, maintenant, on passe aux choses sérieuses. Ok? On attend un peu, laisse-le se reposer un peu. On va lui faire une dinguerie. T'es prêt? Sois solide. Tu fais quoi là Yacine? Grave le match. Ah ouais, Myriam, le foot ça a repris. Ah bon? Eh, on lui dit la chanson qu'on a fait sur... On a écrit une chanson pour toi. On a écrit une chanson pour toi frère. Hein? On a écrit une chanson pour toi moi et Myriam. Allez là-bas. On peut te la réciter au moins si on l'a bien appris. Y'a le match Younes. Vite fait, une petite chanson. C'est en 2000. Une chanson? On dirait qu'on était Christophe Maé ou quoi? Juste on te la chante après on se barre. Ouais. Tu peux me laisser une petite place Myriam sur le fauteuil? Ouais. Ok. Cette chanson, elle concerne quelqu'un que tu connais. Ouais. Ok. Vas-y, je commence. Je suis un homme avec des gros cheveux et une moustache, une barbe super moche. Je suis célibataire depuis la naissance, je fais du sport, mais je suis tout le temps en souffrance. J'ai des boutons partout sur le visage, toute la journée assis sur son lit, en train de jouer à Fortnite. Et tout le temps en train de se faire défoncer par tout le monde, je mange que 2 repas par jour. Je m'appelle Yacine de la Côte Familia. Oh, vous êtes gênant. Vas-y, taille, dégagez de là-bas, vas-y. Ah, la gênance. Vas-y, taille. Bah, il arrive quoi aujourd'hui? Mais il me casse la tête. J'en ai marre. J'ai envie d'aller me cacher. Ils me rendent fou. Je sais pas ce qu'ils ont aujourd'hui, Younes et Myriam. Ils ne veulent pas me lâcher. Ils vont plus m'envoyer des pics toute la journée. C'est atroce. A few moments later. Vu mon portable. Tu vas faire quoi là? Ouais, c'est vrai, j'ai quoi? Vous avez pas vu mon téléphone? Non, pas forcément. Tu vas faire quoi? Je vais manger. Mon téléphone, il est. C'est ça qu'on voit pas? Ouais, il est où tu mon téléphone? Tu manges des Kinder, c'est des Kinder. Tu fais de la musculation. Mon téléphone, il est où? Non, mais est-ce que t'as fait une séance de musculation aujourd'hui? Ouais, il est où mon téléphone? Ça sert à rien, frère, ce que t'as fait. Hey. Je t'ai pas demandé ton avis, je t'ai demandé mon téléphone. Mais pas... Tu manges des poules, tu manges des grains de sel. Ça, c'est. Hey. Ok, tu sais, tu fais quoi? Arrête le sport, ça sert à rien. Hey, tu sais, tu manges du sable là. Du sable. Genre, depuis 2 ans, 3 ans, tu manges ça tous les jours. Hey. Et alors?
Comment tu fais? Ça, c'est quoi ça? J'ai pas le choix, je suis malade. Des pims. Puis des Kinder. Ah, mais comment tu peux manger ça, Rai? Mais ça, c'est interdit par la loi. Vas-y, bah, viens-moi ça, là. Je fais quoi, là? Tu fais de la musculation pour... Et alors, je te demande pas ton avis. Arrête le sport, ce mercredi, c'est mieux. Toi, continue à me rendre fou, toi, continue. Et les Kinder, c'est pour les enfants. Ah. Les enfants, c'est pour toi. Vous savez, mange comme les grands, mange des lentilles, de la viande. Ça y est, frère, ça sert à rien. Tu fais de la musculation pour rien. Soulève des poids, ça sert à rien. Mange ton assiette. Joue à Fortnite toute la journée et va en psychiatrie. Il mange depuis 3 ans, il mange des Kinder. Tu fais quoi? Il me fait des sandwichs à la voiture. Ramenez-moi ma nourriture, s'il vous plaît. Ta nourriture pour chien? Ramenez-moi ma nourriture. Ramenez-moi sa nourriture pour chien, c'est croquant. S'il vous plaît. Arrête la muscu, hein. La salle, tu vas plus, ça il sert à rien. Il est où mon téléphone? J'ai pas ton téléphone, ça sert à rien. Regarde dans ta poche. Ça y est, j'ai compris, ça sert à rien, ça y est, ça j'ai compris. Laisse-moi tranquille, laisse-moi manger là, ça y est. Il y a plein de gens qui l'ont dit ça. Oh là là, vas-y, taillette là, c'est bon, frère. Les gars, le plan il marche totalement bien. Là par contre, on va essayer de détendre un peu l'atmosphère, faut qu'on fasse une pause dans la journée. Si on fait tout d'un coup, ça va être cramé. Donc on va se faire à grailler, on va manger avec Myriam, vous allez voir. Là, je vais faire la recette des tisanes toute seule, tellement c'est facile. Bon, donc là d'abord il faut faire des carrés alors. Des rectangles. Des rectangles, pardon. Tu prends la moitié parce qu'après ça va être trop. Ah ouais? Ouais. Voilà, impeccable, là il y en a bien partout. Go le plier. Vas-y, fais ça bien. Comme un oignon. c'est l'étape la plus dure de la vidéo, les Rey. Enfin de la recette plutôt. Ça doit faire une sorte de boule. Alors enlève tes mains. Hey, je suis fier de toi. C'est super bien. C'est chef Christo. Ouais, donc là tu rassembles bien au milieu. Rassemble bien le milieu. Là, faut pas qu'il y ait de trous, sinon la vache qui rêve va s'échapper. Rouleau à pizza. On va faire une pâte à plat. Voilà, il faut. Pas trop, aplati, pas trop. Prendre le relais vu que c'est dangereux, il y a du feu, on va mettre du bon beurre comme on est des gros. Tu viens voir? Ouais, viens. Regarde, ça va bien fondre. Voilà, on fait. Mashallah. Moi je me dis mashallah à moi-même. Let's go. Après ça va être incroyable. Regardez-moi ces beautés, la famille. Ça a l'air d'être super bon. Qu'est-ce que t'as fait à tes dents? C'est arrosé. Vas-y, on va tester, la famille, les cheese nan. Oh. Bon, donc là, on va tester le mien. Je sais pas c'est lequel. Bon, c'est bon, on va prendre ça. Là. Ouvre-le là, si c'est fondant et tout. Ok. Wow, la vérité. Là, le tisnan, il était super bon. Juste le pain, il a le goût du pain arabe. À l'intérieur, il n'y a pas assez de fromage dans celui-là. Et puis, bah, franchement, j'ai bien aimé le tisnan. Bon, je vais me détendre sur Fortnite là, parce que j'en ai marre cette journée là. Après la pause, Yacine est en train de jouer à Fortnite. On va couper l'électricité. Par contre, je sais plus c'est lequel. Je crois qu'on va tout couper d'un coup. Ouais. Attends, dispositif de sécurité générale. Le grand, je crois. Un, deux. L'électricité! Qu'à couper! C'est nous, pourquoi tu vas faire quoi? Viens. Ferme la clé. Dépêche-toi, ouvre! Non, on ouvre pas. Ouvre, je vais te tuer. Non, on ouvre pas. Dépêche-toi. Arrête Fortnite, ça y est, c'est nul. T'es nul, tu sais pas jouer. Arrête Fortnite. Yacine, calme-toi. Ouf, je rigole pas là. Calme-toi, Yacine, on va t'ouvrir, ok, si tu te calmes. Dépêche-toi. Miram, pousse fort, il va nous frapper. Je suis calme. Ouf. Ok, c'est bon, c'est un prank. C'était pour rigoler. Myriam. Tu lui as fait peur, elle s'est enfuie. Myriam. Elle s'est enfuie à cause de toi. Arrête de mentir, elle est calme. Elle est pas là, Myriam, viens là. Elle s'est enfuie à cause de toi. Tu fais chier. C'était un prank, tout ça. On rigolait. Allô, Myriam. Je sais pas. Mais pourquoi vous me coupez l'électricité? Comme ça. C'était pour rigoler. Putain, on va en PP Scream là. Vous me coupez l'électricité? C'est Younes qui m'a dit. Il m'a dit, viens, on fait un prank à Yacine, on va voir comment il réagit. Réveille-le et tout. Et même lui part. Ton pantalon sauté là, t'es pas d'éléphant là. Qu'est-ce que t'as à répondre à ça? On lui refait une chanson. Vas-y, go. On est vraiment désolé, c'était un prank pour rigoler. Le Yacine Gargamel toujours énervé, désolé. Arrête de chanter ça, faut s'excuser. C'est vrai, sa grosse tête de P-Mobile.
Arrête de dire qu'il a une grosse tête de Playmobil. Non, on rigole, on va vous laisser là. Désolé, c'était un prank, Myriam. Vas-y, fais la fin, Myriam, fais la fin. Bon, en fait, c'est trop prank. Ça va, il a bien réagi quand même. C'est un bon petit frère. Moi, ça serait moi, je vous aurais un petit peu frappé. Juste un peu. Ouais, ça serait moi,